Salut à tous, c'est Papki. Alors aujourd'hui nous sommes bien le mercredi 23 mai, mais comme vous le savez, les serveurs Rockstar vont un peu mieux, puisque moi personnellement je ne peux plus faire le glitch, puisque le jeu je n'arrive plus à le lancer à 100%. Je suis obligé de fermer l'application et d'aller dans mon profil, de trouver une activité où c'est marqué lancer GTA Online, et à partir de là je peux aller en ligne. Mais moi personnellement je ne peux plus me faire bugger. Donc je vais pas faire de vidéo pour dire ouais c'est patché. Non, en fait c'est mon personnage qui déconne. Donc voilà. Donc en fait j'étais là pour autre chose. Là je suis avec mon second personnage. Et avec une activité, vous pouvez vous faire toutes les supérettes de la ville pour en argent infini en fait. Par contre, le seul bémol, c'est que les supérettes, on ne les voit pas. Donc moi, je me suis basé sur les trois qu'elles se situent ici. Mais a priori, même moi, je galère à les trouver. Et en fait, vous pouvez vous faire toutes les supérettes de la ville. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous n'aurez jamais la police. Et ça, c'est plutôt cool. Une fois, j'avais mis une vidéo pour une supérette seulement. Même on faisait le tour du véhicule et ensuite on rentrait dans la supérette et à partir de là on faisait les caisses et on sortait. Tandis que là, vous pouvez faire, s'il y a 20 supérettes sur la map, vous faites les 20 supérettes et en fait vous n'êtes pas obligé de faire les 20 supérettes, vous en faites 40, vous en faites 60, en fait vous en faites toute la journée. Et à la fin de la journée, vous faites la mission. Puisqu'en plus c'est une mission. Donc plus vous restez longtemps dans la mission, plus ça paye. Donc la mission c'est de mal en pierre. Ou en pire, je sais pas comment ça se dit, mais de mal en pierre. Donc je me suis dit, ouais, je suis avec mon second personnage. Et c'est bien avec mon second personnage que j'ai tout perdu. Puisqu'il y a quand même quelqu'un qui a eu un petit doute. Non, c'est pas que ça aurait été avec mon personnage principal, je pense que j'aurais arrêté les vidéos. Hein. Non, c'est avec mon second personnage, j'ai tout perdu. Donc là, je suis avec mon second personnage. Et là, on regarde le niveau 120. Tandis que avec mon second personnage de l'autre fois, j'étais à plus de 130. Et bien sûr, j'avais un garage de fonction, mes banques, des élégués rétro custom à gogo. Et voilà, tous les véhicules de la rue. Tandis que là, j'ai plus rien, quoi. Donc c'est pour ça que je lance cette activité. Pour dire à mon personnage qui augmente un petit peu son tir, sa force. Un peu de tout quoi. En fait avec l'activité là on peut tout faire. Donc c'est moi je dis tiens je vais poster cette petite activité. Comme ça ceux qui n'ont pas de thunes et qui ont besoin d'argent, voilà quoi, hein, vous faites ça. Hein. Franchement, il n'y a pas de honte. Il y en a qui n'aiment pas tricher, donc voilà. Hein. C'est une activité comme une autre. Et après, bien sûr, moi je vais aller finir. Par contre, oh là, il y a une caisse. Tout à l'heure, il n'y en avait pas. Et c'est le bouge toi. Par contre, après, moi, je vais aller finir la mission. Donc là, chaque fois, regardez, je me suis fait, je me suis fait pas beaucoup, hein, 190$. Ouais, ça paye pas, là. Ouais, 190$. Ouais, délire. Mais bon, c'est pas mal. Moi, je dis c'est pas mal, en fait. C'est de l'argent infini. Si vous voulez rester toute la journée dans l'activité, là, puis au soir finir la mission, pourquoi pas, hein. Il y en a, ils laissent leur console allumée toute la journée, toute la nuit. Donc là, je vais me refaire une supérette et après, je vais aller faire la mission. En fait, c'était juste pour vous dire que moi, perso, le glitch, c'est mort. Et que là, il y a une bonne activité pour ceux qui aiment bien pas tricher. Et voilà, quoi, comme ça, je vous l'offre. Je pense que tout le monde la connaît, du moins les trois quarts. Et voilà, à partir de là, amusez-vous bien. Hein. En plus, si ça, comme mon personnage, regardez ses stats. Ouais, il fait pitié. C'est pour ça, moi, je vais lui augmenter ses stats. Donc, je m'amuse à faire ça. Et puis, voilà. Puisque, avec mon personnage principal, c'est mort, quoi, en ce moment. Je vous dis, le jeu, je peux pas le lancer du tout. Faut que je ferme l'application, je vais sur mon profil. Et à partir de là, je peux lancer GTA Online. C'est peut-être pour ça que je peux pas faire le glitch. En fait, je peux plus me faire bugger. Donc, j'ai tout essayé. Et moi, personnellement, c'est mort. Donc je ne peux pas mettre une vidéo pour dire ouais le glitch est patché. Non, c'est mon personnage qui est mort et puis voilà quoi. Donc je préfère vous le dire comme ça avec mon personnage secondaire en faisant une autre activité et voilà, je vous fais passer le message que pour ma part c'est mort. Donc si on me pose des questions, oui moi perso j'arrive pas à le faire. Du moins je ne peux plus le faire.
tout ce que je peux faire, c'est voilà l'activité qui va se proposer devant moi, et puis voilà, c'est tout. Donc les gars, bah, franchement, pour les débutants et pour ceux qui n'aiment pas tricher, bah, voilà, vous allez dans Star en ligne, bah, Star en ligne, activité créée par Rockstar, et vous allez dans De Mal en Pierre, dans Mission De Mal en Pierre, vous lancez ça en mode difficile, comme ça vous faites toutes les supérettes de la map, si vous savez où elle se situe, même les coiffeurs et tout, hein, bah, tout est ouvert, je pense, là. Et puis voilà quoi. Et ensuite, bah, quand vous en avez marre, vous allez faire la mission. Hein. Comme là, arrivé sur les quais, bah, là, si je veux, bah, je fais comme l'autre fois, je fracasse un peu tout le monde pour dire d'augmenter sa force. Mais bon, non, là, je vais vite finir la mission pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps. En espérant que c'est une bonne idée pour certaines personnes. Et sinon, bah, voilà, comme moi, j'ai voulu vous la faire partager quand même. Je me suis dit peut-être qu'il y en a qui vont kiffer. Donc avec lui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'armes. Bah si, j'ai racheté pas mal d'armes, mais pas comme avec l'autre. Donc je dois bien voir combien elle va payer la mission. En fait, plus vous allez rester longtemps dans cette mission, bah, plus vous allez toucher. C'est dommage que c'est plus en double RP, quoi. Ouais, désolé, je suis à fond dedans, là. Là, je prends mon temps, on peut pas dire au contraire. Allez, hein. Reste calme. Je vais reprendre quelques encas, et puis voilà, je vais finir ma mission vite fait, bien fait. Donc au cas où, la mission c'est De Mal en Pierre, ouais, je sais pas comment ça se dit, mais De Mal en Pierre, voilà. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire la mission directe, bah, de toute façon je l'avais déjà posté à ce délire là. Voyez où le truc là? C'est ça? Voler la mettre. Allez où se mettre? Oh là là, ça commence. Ah ça y est. Bah voilà. Hein. Bah, je suis pas resté longtemps, quoi, 10 minutes. Mais regarde, celui qui reste une bonne demi-heure, bah, il se fait les caisses. En plus, il se fait un petit bonus. Ouais, c'est vrai que 500$, c'est pas beaucoup. Mais bon, j'avoue, j'ai fait que 3 épiceries. Bah, qu'est-ce qu'il me fait, là? J'ai fait 3 épiceries, voire 4, c'est tout. C'est vrai que d'habitude, ça paye un peu plus. Même là, si vous continuez à faire les épiceries et tout, hein, franchement, bah, celui qui kiffe ce délire-là, bah, voilà, la vidéo, elle est pour toi. Donc mets-moi un petit pouce si t'as kiffé, puisque franchement, j'avais déjà pensé à la poster, puisque je l'avais déjà faite. Après je me suis dit, ouais, c'est peut-être ridicule, mais après je me suis dit, bah non, une fois j'avais posté que juste pour une caisse, et a priori, bah ça avait fonctionné, donc bah pourquoi pas. Maintenant, voilà, quoi. Oui, c'est vrai, c'est la mission, elle est connue, mais ce qu'on peut faire pendant la mission, tout n'est pas connu. Donc faut pas hésiter à le faire, voilà. Pour ceux, surtout, bientôt, le DLC va arriver, logiquement. Là, comme hier, ouais, les véhicules, ils devaient arriver. Moi, ce que j'ai vu, c'est rien du tout. Hein. Donc, non seulement, on n'a pas eu les véhicules, et personnellement, moi, je ne peux plus faire le glitch. Donc,
Après, si c'est un bug, c'est possible, hein, mais bon, a priori, je sais pas. Déjà que le jeu, je peux pas lancer à 100%, donc peut-être que ça provient de moi, donc je peux pas dire, ouais, c'est patché, non, 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 bah non, jamais de la vie. C'est juste mon personnage qui déconne, je pense. Et c'est comme ça. Ouais, c'est pas grave, j'ai assez de véhicules. Donc autant vous faire partager une activité avec mon second personnage. Voilà. Peut-être que les véhicules, on va les recevoir aujourd'hui. En sachant qu'hier, il y avait encore des problèmes de serveur. Je sais pas. On verra. Bon, en tout cas, j'espère que ça va payer un peu, là. Parce que franchement, ouais, quand même. Là. En fait, c'est se faire les supérettes à l'infini. Parce qu'en fait, vous pouvez passer toute la journée. Vous imaginez, vous faites à 2 ou à 4. Là, vous faites à 4, vous faites les 20 supérettes, vous les faites 5-6 fois. Bah, punaise, ouais, quand même. Hein. Bah, 5-6 fois, ouais, 5-6 fois les 20. Hein. Puis après, bah, voilà, faire l'activité, bah, du moins la mission, bah, je sais pas combien elle pourrait payer, jusque combien. Je sais pas. 23 000, 25 000, je sais pas. Plus vous restez longtemps, en tout cas, plus elle va payer. Donc voilà les gars, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. C'était une bonne activité. C'est pas l'activité en elle-même, c'est tout ce qu'on peut faire pendant l'activité. C'est ça, surtout celui qui débute, pour ses stats, c'est très important. Et voilà quoi. Donc voilà les gars, bah sur ce, c'était Fabkick sur GTA 5 Online en vous présentant une petite activité bah, pour monter ses stats et pour se faire les supérettes à l'infini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi perso, bah, j'ai kiffé. Et maintenant, bah, je vous souhaite bah, de bien glitcher puisque moi perso, c'est mort. Et de passer un très très bon mercredi. Ciao!